Bonjour les gens, c'est Seb Bonicoute pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le mercredi 1er mai 2019. Donc on a des vide-greniers à faire aujourd'hui. Normalement il y en a trois. Je sais pas si on va faire les trois parce que bon, on verra bien s'il nous reste des sous ou quoi. Donc là je vais faire les trois, j'ai 52 euros en poche, donc on verra bien. On verra bien qu'est-ce qu'il nous reste. Hein. Donc je vais commencer. Donc il y a. Il y a G-Sponsor, Tourne et Doncherie, pour ceux qui connaissent, dans les Ardennes. Donc je vais commencer sûrement par G-Sponsor, parce que je pense que tous les autres vont aller à Tourne. Donc je vais aller à G-Sponsor, et puis j'irai à Tourne après, et à Doncherie, s'il reste des sous. Donc voilà, donc là il est actuellement 5h moins 5, je crois. Donc je vais partir vers 5h tout doucement, j'en ai à peu près pour une demi-heure. Ça me fera arriver là-bas 5h30, donc ce sera bon. Voilà, donc allez, à tout à l'heure. Oh, ben moi j'allonge, hein. Ils sont combien, madame, les consoles? Elles sont à 50 euros. D'accord, merci. Vous avez que ça en jeu vidéo et puis... Non, je suis dans la voiture. Ouais, ok, merci. Ça sont combien les jeux maintenant? Celui-là, par exemple. Celui-là, 15. Ok, merci. Si on fait des cas, ils auraient traîné dans la boue. Je peux pas les mettre là, j'ai toute ma collection. Bon, il faudrait que tu les vends. Là ouais. Il faudrait qu'il y en a. Qu'est-ce que tu vends ça? C'est quoi ces belles-là? C'est quoi? Non. Ah, ça, c'est des jouets, ça, oui. Et les flèches, il faudrait que tu vends. Ça, c'est 1 euro. Oui. T'as toutes les flèches? Non. Qu'est-ce que tu vends ça? Ah non, j'ai pas les... Voilà, donc on se retrouve pour le compte-rendu du vide-grenier. Donc, ben, franchement, pas grand-chose. J'ai peur pour cette année, franchement, parce que là, ça devient assez grave. Là, ça fait deux week-ends, rien. Mais vraiment rien. J'ai voulu aller chez Sponsor en premier, j'aurais peut-être pas lu. Parce que vraiment, il n'y avait rien. Les gens ils sont sortis, il devait être 6h30, 7h du matin. Il n'y a personne avant. Donc moi j'ai été à 5h30. Vous voyez, je me suis fait chier de 5h30 à 6h30 parce qu'il n'y avait personne. Enfin, s'il y avait un ou deux stands. Quoi. Donc je tournais dans toutes les rues pour un ou deux stands. Et puis alors, sur le premier stand, il y en avait.
Ah ben, il y avait des consoles, il y avait des jeux et tout, alors hors de prix. Comme vous avez pu voir dans le live, de toute façon, hein, la fausse mini NES, 600 jeux, 50 euros. La fausse Sega, pareil, avec 30 jeux, ben, la même que j'ai, hein, moi je l'ai aussi celle-là. La fausse Sega, même, moi je l'ai pas payé 50 euros, parce qu'elle la faisait 50 euros aussi, j'ai payé 5 euros sur une brocante. La fausse Sega et la fausse mini NES, je l'ai payé 20 euros à Cash Express. Donc, elle vendait 50 euros l'unité. Bah, de toute façon, quand je suis parti, elle les avait toujours pas vendues. Et puis, elle les vend en repos, à mon avis, si elle baisse pas, elle les vend en repos. Donc, voilà, après, elle vendait un jeu de Mario 3DS 15 euros. Bon, ça, ça va encore, c'est le prix, quoi. Bon, moi, ça m'intéresse pas, c'est pas. Moi, je fais les vides-greniers pour faire des affaires. C'est pour acheter au prix que ça vaut. Je reste couché, puis j'achète sur Internet, non. Donc voilà, donc alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé donc à G-Sponsor. J'ai trouvé qu'un seul truc. C'est ça. Voilà, je trouve un magazine sur Final Fantasy VIII. Alors il n'y a pas que sur. Pas que sur Final Fantasy, hein, c'est sur plein de jeux. Mais là, c'est la solution complète de Final Fantasy VIII. Après, poster géant, mais je l'ai pas le poster. Il est plus dedans. Après, il y a plusieurs jeux. Il y a. Pardon. Il y avait quoi que j'avais vu? NBA Live 2000. Cyber Tiger. Munch Odyssey. Tomb Raider. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Ready to Rumble Boxing. Fighting Force 2. Worm Spinball, Action Man, La Guerre des Mondes, Supercross 2000, KO King 2000, Tomb Raider, la 4, la révélation finale. Donc c'est que des jeux PS1. Crash Time Racing, Le Monde des Bleus, voilà. Cool Border. Alors je sais pas de quelle année il date, mais il coûtait 39 francs. Donc c'est encore en francs, voilà. 39 francs. Je vais regarder si je vois pas une date. Le pire de tout, c'est qu'il y a un. C'est pas un vendeur, c'est un collectionneur lui. Il y a un collectionneur qui était devant moi et il l'a même pas vu. Il est passé devant, il l'a même pas vu. Après, je pense pas qu'il l'ait vu, parce que s'il l'aurait vu, il l'aurait pris, donc je pense qu'il l'a pas vu. Mais par contre, je vois pas de date, hein. Désolé. Non, il n'y a pas de date. Dommage, alors, peut-être là. Non, même pas. Non, moi je ne sais pas, il n'y a pas de date. Mais bon, ça doit être dans les années 96 par là. 94-96, c'était dans le moment de la PS1, quoi. Donc voilà, j'ai eu que ça. Donc ben, bien content de l'avoir trouvé quand même. Mais bon. Y avoir été pour que ça. Je faisais un petit peu la gueule parce que je voulais dire que ça. Donc là. Donc de là-haut, j'ai sponsor, je suis reparti à 7h15. Je vous le dis parce que il n'y avait personne. Puis il n'y avait rien surtout. J'ai pas vu presque pratiquement pas vu de jeu à part les jeux hors de prix là, mais sinon. Voilà, donc ensuite j'ai été à Doncherie, j'ai été après. À Doncherie, ben, j'ai rien trouvé du tout, même pas un jeu. Il n'y avait que des jeux PS4, mais je pense qu'il avait déjà été fait, le vide-grenier. Il avait déjà été ratissé et il n'y avait eu que des jeux PS4. Puis bon, 10 euros, 15 euros. Donc ça m'intéressait pas. Après, je suis allé à. À comment à Tourne. Heureusement,
j'ai bien fait d'aller à Tournes parce que ça m'a sauvé mon compte, le loup que j'ai trouvé. Là. Je vous ai fait voir en miniature, normalement. Mais normalement, il est en miniature. Donc je vais déjà vous montrer les deux jeux que j'ai achetés à part et après je vous montrerai le lot. Donc pour 3€, j'ai acheté le Sega Superstar Tennis, donc Sonic. Donc il est complet. Donc un jeu de tennis avec les personnages de Sonic, quoi. Tout ce qui est plus banal, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le Hulk sur Xbox première du nom. Alors, j'ai payé 2€ celui-là. Alors, il était à 3€, mais il n'y a pas la notice. Non. Voilà, il n'y a pas la notice, donc je l'ai baissé à 2. À 2 me l'a laissé. Par contre, j'ai pas vu, il est rayé à mort. Donc, je sais pas s'il va passer en fait. Donc, je verrai bien. Voilà. Donc, par contre, je vais essayer de vous montrer comme ça le lot. Je sais pas si je vais y arriver. Hop, si je pense. Voilà. Voilà le petit lot. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a. Je vous dirai combien je l'ai payé après. Hop, on va revenir comme ça, ce sera mieux. Voilà. Donc je vais déjà vous montrer la console. Je vous montrerai les jeux un par un après. Alors, je vais les poser par terre. Déjà, je vais vous montrer ça en premier. Hop, déjà, on a c'est une Xbox 360, une Xbox 360 Elite. Donc, déjà, on a l'alimentation, on a le câble pour recharger la manette. C'est la manette qui se recharge. On a ensuite la console qui est dans un piteux état. Regardez comment elle est crade. Là, elle est crade. Devant, il manque le machin. Mais généralement, quand j'achète une Xbox, moi, il manque toujours la machine. Toujours à bord. Donc, ça, la trappe là, elle manque aussi. Ou elle est cassée, je sais pas. Voilà, donc il m'a confirmé que. Il m'a confirmé qu'elle marchait. Enfin, il m'a assuré qu'elle marchait. Il m'a dit en fait qu'elle était sale parce qu'il l'avait laissée dans son garage. Il m'a dit qu'elle fonctionne. Donc, c'est une 120, il y a le disque dur, hein, 120 GB. C'est ça qui m'a fait prendre la console déjà. C'est le disque dur de 120. Oh la vache, il y a une araignée dessus. Il y avait une petite araignée dessus. Voilà, elle est morte. Donc c'est ça qui m'a fait. De toute façon, je crois que je vais la démonter celle-là et puis enfin, je vais déjà la tester. Et puis une fois si elle marche, je vais la démonter pour la nettoyer. Parce que là, c'est pas possible. Même les trucs pour mettre les câbles. Là, désolé, c'est un château lyonnais. Voilà. Ah oui. Par contre, vu que mon micro ne marchait pas, j'étais obligé de mettre les écouteurs. Les écouteurs de qui sont fournis avec le portable Huawei. Donc normalement ça marche, parce que j'ai déjà fait des vidéos comme ça. Normalement ça marche, mais bon. J'espère que vous m'entendez. Donc voilà, donc la console. Dans un piteux état, puis je vous dis, donc juste le truc là. Bon, il m'a dit qu'elle marchait. Donc, on verra bien. Voilà. Alors avec, il y avait un câble HDMI tout neuf, encore emballé. Il y avait la manette de FIFA 11. La manette officielle de FIFA 11. Donc c'est marqué EA Sport Football Club Official Controller.
l'autre côté c'est marqué Limited. Là, ici c'est marqué Limited Edition. Par contre, il y a un problème, c'est que des fois, lui, il ne revient pas. C'est surtout s'il a plat. Ouais. Donc, il va falloir que je la démonte aussi, puis je la nettoie de toute façon. Donc voilà. Donc, c'est toujours une manette même. Comment dire, pas officielle, mais comment dire. En rapport avec un jeu, quoi, avec FIFA, quoi. C'est pas une manette normale, quoi. Donc voilà, donc il y a le câble pour la recharger aussi, la manette. Voilà. Après les jeux, alors les jeux sont tous complets. Tous complets, sauf deux qu'il faut que je vous montre, parce que c'est pas les bons. Donc par contre, c'est pareil, il y a beaucoup de jeux de foot. Donc tant pis, hein, c'était dans l'eau, Donc en fait, je vais vous le dire. En fait, ils vendaient la console seule 10 euros. Et ils vendaient la console avec les jeux 20 euros. Ou ils vendaient les jeux 2 euros pièce. Et moi, j'ai négocié l'eau à 15 euros. Donc en fait, j'ai eu le tout à 15 euros. La console plus tous les jeux à 15 euros. Donc, je vais vous montrer les jeux. Donc il y a Xbox 360 et Xbox première génération sont mélangés. Et je vous rappelle que tous les jeux sont complets sauf ceux que je vous dirai. Donc là on a Hunter Matrix sur première génération. Ensuite on a Forza Motorsport 3. Alors si vous avez un problème. C'est que on a que le disque 2, on n'a pas le disque 1, donc il manque un disque. Voilà, donc c'est pour ça me servir de boîtier ou si je retrouve un jour sur une brocante le CD en loose, le disque 1 en loose, ou si quelqu'un l'a, on ne sait jamais. Hein. Si quelqu'un a le disque 1 en loose de Forza Motorsport 3, ça m'intéresse. Ensuite, on a Ras Pro. Ouais. Il est complet aussi. Je ne me rappelle plus, donc j'ai regardé. Assassin's Creed Brotherhood. Brotherhood. Donc, pareil, complet. Donc, c'est Assassin's Creed. Hein. De toute façon, je crois que je l'ai déjà celui-là. Donc il y en a que j'ai pas mal que j'ai déjà, donc je verrai bien. 13 sur Xbox, première du nom. Alors celui-là c'est pareil, je l'ai, mais il vient de l'inondation. Donc déjà je vais récupérer la notice. Après, la jaquette, je sais pas si je vais la récupérer, parce que ceci, regardez-le. Là il y a un pli, enfin, on ne voit pas bien, mais... La caméra on ne voit pas bien, mais comme ça on le voit bien. Je sais pas, je vois bien ce que je fais. On a Ghost Recon Advanced Warfare 8 heures en Xbox 360, donc complet. Donc un jeu de guerre. Non, ça c'est ce qu'on a déjà vu. Hop là. On a F1 2002 sur la première du nom, sur Xbox première du nom. Ça, je vais essayer voir. Ça devrait pas être marrant. Ça doit être marrant plutôt. 2002 en 2019. Donc, je vais essayer. Ensuite, on a FIFA 13. Celui-là il manque la notice. Il y a des papiers mais il n'y a pas la notice. Ouais. Il y a des papiers mais il n'y a pas la notice.
la FIFA 14. Je crois que c'est pareil. Ah tiens, c'est pas mal ça. Hein. En FIFA 14, on a la même notice de GTA 5. Normal. C'était, je vais la mettre de côté, je vais la mettre avec mes autres notices. Bon, bah après, c'est des bouts de papier. Voilà. Donc, ouais, je pensais que j'y étais tous, mais non. En fait. Ensuite, on a le FIFA 10. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme notice? On a la notice du FIFA 10, c'est déjà pas mal. On a une petite carte d'Xbox 360. Ouais, c'est une petite carte sur, sur le motorsport, donc je vais le remettre dans motorsport après ça. Oh, bah, je vais mettre là pour l'instant, on va rien voter. Voilà, après c'est un petit prospectus de FIFA 10, donc c'est bon. Voilà, après on a le FIFA 11. Ah, je vous l'ai dit, on a la collection des FIFA. Alors le FIFA 11, on a la notice et deux CD. Voilà. La notice et deux fois le jeu. Donc c'est tout, c'est pas grave. On verra bien s'il y en a déjà un des deux qui marche, ce sera bien. Voilà. Ensuite, on a FIFA 12. Le spécial Paris Saint-Germain. Votre jeu FIFA 12 aux couleurs de votre club. Pack Collector. FIFA 12. Le seul problème, c'est que le jeu, c'est pas FIFA 12. C'est Dynasty Warrior 6. Mais non. Donc je pense que c'est mieux que FIFA 12. Mais bon, j'ai pas la boîte quoi. Il est en 12. Mais bon, c'est pas gros, c'est le jeu quand même. Voilà. Donc je sais même pas ce que c'est. Je sais même plus ce que c'est Dynasty Warrior. Je pense que c'est un jeu de combat, mais je suis pas trop sûr. Donc je veux pas raconter de conneries, mais normalement c'est ça. Voilà, ensuite on a Call of Duty Black Ops, donc un jeu de guerre sur 360. Lui, pareil, il n'a pas la notice. On a Roger Lemaire, la sélection des champions 2005. Sur la première Xbox, enfin l'Xbox première du nom. Donc ça c'est quoi? C'est un petit poster ça. Ah ouais, un petit poster de Roger Lemaire, attention. Derrière, on a un peu les jeux. On a quelques jeux de l'Xbox 360. Voilà. Poster de 2005. Donc avec la même notice et puis... enregistrer un papier pour enregistrer le code là. Voilà, donc celui-ci est complet, donc je pas de foot mais de gestion d'équipe de foot hein. En fait vous êtes un entraîneur à la place d'un entraîneur quoi, c'est vous qui choisissez les joueurs, vous faites l'équipe et puis le match se passe sans que vous voyez le match hein. Oh, j'ai le roi qui s'est cassé la gueule. Donc voilà. Donc
Donc c'est un jeu de... Vous voyez pas le match et puis après vous voyez si vous avez gagné ou pas. Voilà, donc ensuite on a PES 2009. Donc comme je vous ai dit, c'est un fan de foot en anglais. Alors ce qui est rigolo aussi dans celui-là, c'est que... On l'a complet. Oh là là, ça me château, regardez, désolé. Alors dans celui-là, on a le guide de Liberty City. Donc pourquoi, je ne sais pas. Ça va, ça reste du GTA à chaque fois. Il faut qu'on ait une notice en plus, c'est du GTA. Donc on a la notice de PES 2009. Ouais, et puis après c'est des conneries. Quoi. Un petit prospectus sur PES 2009 et puis un truc sur Oron. Je pense c'est des conneries. Bon. On va laisser tout dedans. Avec la notice, hop, hop, voilà. Ensuite, on croise du foot, PES 6, celui-là je crois que je l'ai au moins 5 fois. Alors je vais regarder parce qu'il y a autre chose. Vous voyez bien la notice de PES 6. Prospectus pour la démo gratuite de PES 6. Oui, il y a déjà... Je vais vous montrer après. Donc, il y a une petite carte de d'habitude là. Le Kanami. Et là, c'est la fête sur ton mobile. On avait déjà le portable. On gagne de super prix. Oui, bah, vu la tête des mobiles. Je sais pas si on va aller voir la caméra, mais là, c'est déjà du vieux mobile. Voilà, donc c'est peut-être pour télécharger des jeux, à mon avis, je pense. Ah ben, quand on voit la tête des jeux aussi, on a tout de suite compris. D'ailleurs, le jeu, c'était Frogger Evolution pour son 25e anniversaire. 1981-2006, donc c'est en 2006, ça. Ah, alors en plus pour le jeu, il fallait qu'on envoie un SMS. Envoie un SMS contenant le mot de passe Kanami au 31001. C'est le truc qui se surtaxe à fond. Ah, on a une carte d'Xbox Live non grattée. Offre d'essai gratuit de 48 heures de l'abonnement Xbox Live Gold. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le jeu. Je crois que j'ai plus aussi. Ah non, il en reste encore 2 ou 3. Ah non, il en reste encore plein. Et donc PES 6, Pro Evolution Soccer 4. Ah, il adorait le foot. Il pourrait dire. Donc il y a toujours la même carte que de Konami là. Il y a un ticket de caisse. J'ai acheté ça combien? 29 euros. Oh, ça vient de Dijon. 29 euros. Donc bah là il n'y a rien, il n'y a que la notice. Hein. C'est tout. Je vais le laisser dedans le ticket que j'aime bien. J'aime bien quand il y a un petit peu l'histoire dedans. Oh. Par contre c'est bien les écouteurs là, mais ce qu'il y a c'est que le câble est vachement court. Donc, je peux pas trop bouger sinon ça tire sur le téléphone. Ensuite enfin là, un bon jeu que j'ai pas. Donc ça doit être un FPS. C'est Turning Point Full of Liberty. Je vous laisse lire. Parce que je suis pas très bon en anglais. Mais au moins, vous le voyez. Voilà. Les images de la jaquette arrière.
On a un portable qui filme bien maintenant, alors on en profite. On peut vous montrer. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? La notice, oh, puis un petit prospectus, c'est tout ce qu'il y a avec le jeu, bien sûr. Voilà. Donc, ensuite, il reste 2. On a le Battlefield Bad Company 2. Bon, je recommence Battlefield Bad Company 2. L'essence même du multijoueur. Donc, jeu de guerre. Voilà. Avec l'étiquette de Microsoft. 22€. Donc, ça, c'est acheté en cash. À 22€. Bon, moi, l'étiquette, elle va virer. Hein. J'ai un produit, c'est pas pour la virer. Mais je crois que je l'ai déjà dans son jeu-là. Il doit être en meilleur état que le mien, donc je pense que je vais garder celui-là. Je vais bien voir. Et enfin, le dernier, c'est sur la première Xbox, donc Xbox première du nom. C'est le braquage à l'italienne. Et donc celui-là est complet. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a comme jeu. Enfin, c'est tout ce qu'il y a. C'est déjà pas mal. Donc on va je vais regarder combien il y en a. Donc il y en a 2, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 jeux. 20 jeux plus la console pour 15€. Je pense que c'est une affaire. Je pense que c'est une affaire. Ça fait même pas 1€ le jeu. Parce que 1€ le jeu, ça ferait 20€. Donc là, c'est vraiment une affaire. Parce que là, la console, je l'ai même pas payée. En fait. Bon, après, il faut voir si elle marche. Donc il y aura un essai de la console. Essai de l'Xbox 360. David Grenier. Voilà. Donc tout ça essayé. Voilà. À nettoyer puis à essayer. Donc ben, heureusement que j'ai eu ce lot là. Heureusement qu'ils m'ont laissé ce lot là. À tourne. Heureusement qu'ils m'ont laissé ça à tourne. Parce que sinon. Bel butin aurait aimé. Hein. J'aurais eu un livre et puis. Et puis deux jeux, et encore les deux jeux, je les ai eu à tourner aussi, donc j'aurais eu qu'un livre. Ah, super, le vide-grenier. Le rentrée de vide-grenier, superbe. Un livre à 1€, ouais. Donc le livre à 1€, j'ai même pas négocié. Les deux jeux non plus. C'était aussi le Hulk était à 3, je l'ai négocié à 2. Et Sega Superstar Tennis, là il est à 3, j'ai pas négocié. Si, j'ai essayé de négocier. Excusez-moi, il est à 3, j'ai essayé de négocier à 2, mais il n'a pas voulu. Donc je l'ai pris à 3 quand même. Mais de toute façon, il n'y a rien. Donc voilà, donc c'est tout. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos en notification. Voilà. Donc ben, je vous dis à la prochaine pour l'essai de la Xbox 360. Allez, au revoir et merci.